Bonjour mémé. Bonjour chérie. Bon alors aujourd'hui c'est vendredi, j'ai fait une bonne dabaria, c'est des œufs durs, des œufs mous et une poitrine de poulet. Combien d'œufs? Je hache. Combien d'œufs? J'ai mis à peu près 10 œufs durs, d'accord. 10 œufs mous et 3 œufs durs. Ok. Et je les ai bien mélangés et j'ai huilé le moule. Et après ça, je l'ai pris, je les mets dans les nids qui touchent. Ça, c'est le nid qui touche. Au poulet. Mmh, voilà. Bon. Je l'ai mis ici et il a cuit à la vapeur. D'accord. Ah, alors tu as mis le bol au milieu. Au milieu, j'ai mis le bol. Et tu as couvert. Ok. J'ai couvert. Attends une seconde. Je remue ça parce que. Tiens, prends une louche. Non, c'est ah, bon. Ah, d'accord. Voilà. Alors, dans les nids qui touchent, moi, je mets du céleri, des carottes et c'est tout. Merci. Et le poulet, et quand je vois que le poulet est à moitié cuit, je mets une niquitouche. C'est des toutes petites fêtes, des petites pâtes que je fais moi-même à la main. Ils ont une très grande valeur. Alors je vais vous montrer c'est quoi une niquitouche. Ça suffit des cuillères, toi. Voilà. C'est des petites boules comme ça. Ah, ça sent bon. Hein. Ah, les enfants, ils adorent ça. Ils adorent d'accord. Ça. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une niquitouche. Donc en et principe, après, c'est une soupe. Quand je sers. Je sers mes kitouches avec le poulet et la dabaria, je la coupe des tranches et que je la mets en même temps. D'accord. Alors là, c'est un régal. J'ai fait ça avec bêche-bêche, pour Shabbat, mettre bobet, des poireaux, mais ils se sont brûlés parce que je parlais trop. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Des artichauts bouillis, du bêche-bêche. Et la macbouba, montre-nous la macbouba. Ah, la macbouba, voilà. Alors, c'est des poivrons, poivrons piquants, poivrons doux, tomates. Et je mets moi une pomme de terre, pas beaucoup de pommes de terre. Alors donne-nous la recette pour ça. Alors je la coupe les tomates, les pommes de terre, tout ça en petits morceaux. Regardez, vous voyez comment c'est petit morceau. Regardez, ça sent bon. Oui, ça sent bien. Bon, après la recette. Alors la recette, c'est pour ça, ce petit peu que j'ai fait, 3 tomates, un poivron piquant, 4 gousses d'ail. Une cuillère à café de concentré de tomate, du poivre rouge, du poivre noir, de l'huile et du sel. Et sans eau, et même pas une goutte d'eau. Et je la laisse mijoter, peut-être elle mijote pendant 3 heures. Et ça c'est fait. Voilà. Alors je vous embrasse à tous. Shabbat shalom, avec l'aîné, avec la paix. Amen. Avec la paix.